sa tête que je peux voir. Bonjour. Oh. Et on atterrit non loin de l'Astéria, qu'on va peut-être voir là d'ici. Non, je pense pas. Alors pour la sécurité, je fais une sauvegarde rapide. Et on va continuer notre petit voyage. Un lapin. Un lapin. Non mais je commence à réfléchir en fait parce que je me souviens d'avoir vu un mode dans lequel les lapins sont des mobs super hostiles du genre les trolls. C'est le même principe. Ah, regardez le bateau. On ira le voir, vous inquiétez pas, mais bon, je vous laisse le suspense jusqu'au bout. Enfin, le suspense, sauf si vous avez déjà vu le bateau, que vous avez déjà installé les mods et tout, et que vous jouez avec. Ce sera certainement un de mes repères favoris. J'en ai installé d'autres. Comme l'autre domaine créé par un de nos modeurs français. Et... mon dieu, que ça fait plaisir de voir des modeurs français... dans le monde de Skyrim, ça montre que nous aussi on a notre place un petit peu. Bonjour. Oui, j'ai juste envie de venir dire bonjour à la vieille. Oui, j'aimerais bien retaper ton toit. Je ne suis qu'une pauvre vieille femme. Ne vous embêtez pas pour moi. Et tu vas même prendre la voiture. C'est agréable d'avoir de la visite. D'accord, bon, bientôt tu vas te payer un charpentier. C'est difficile. Allez, balaye un petit peu, je fais des économies de bout de chandelle. Mais un je plaisir, me débrouille. Un plaisir. Ça fait toujours plaisir de venir voir les gens de... C'est agréable d'avoir de la visite. La populace. Un jour, je viendrai vous donner un peu d'or. D'ailleurs, je pense qu'on va même faire une bonne action. J'attends que mon coup de lag soit parti. Voilà. En fait, j'aimerais bien qu'elle me arrête de me détecter. Puis je vais faire une bonne action. Bon, vous savez quoi? On va se téléporter. C'est difficile. Eh oui, voyage rapide. Je fais des économies. Alors, voyage rapide. Ou de chandelle. Mais je me débrouille. Poison appliqué sur l'arme. D'ailleurs, je vais pas mal les utiliser. Je vais pas mal utiliser les poisons pour mes combats. Parce que bon, avec des armes, c'est toujours plus sympathique de foutre des malus sur les ennemis. Surtout quand on est pervers et qu'on est un assassin et un voleur. Voilà. Marche sur rive au bois. Alors, on va passer en vue intérieure, hein, parce que là... Bonjour. Plus tôt vous trouverez la grille. Montrez à ces voleurs. Vous l'avez trouvé? Voilà! Étrange, c'est plus petit que dans mes souvenirs. Amusant, non? Je vais remettre ceci à sa place. Vous nous avez rendu un fier service à ma sœur et moi. Je ne l'oublierai pas. J'ai envie de dire, la griffe, t'étais pas sur le point de la vendre. Merci infiniment d'avoir donné une bonne leçon à ces voleurs. Le marché de Rivebois a retrouvé toute son activité. Ah bah voilà. Et moi je vais te fournir encore plus de matériel. Vous et moi sommes les seules personnes à peu près saines d'esprit. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Je commence à me planter là, ça va pas aller. Donc. De chasse, c'est pas le mien pour le moment. Je le vends. Je vends aussi les arcs longs. Je vais vendre aussi la dague de fer. Et oui, je vends la dague de fer. La hache d'arme, je la garde. C'est bizarre. Toi je te vends. Toi je te garde. Toi je te vends. Toi je te vends aussi.
Ouais, parce que là vous vous dites, hey, ils vendent toutes les armes qui font plus de DPS. Bah ouais, mais je les vends parce que j'ai pas envie d'avoir des armes à deux mains. Je ne suis pas Goblinin, le pyro barbare. Très bien. Voilà, donc il faut aller voir le Jarl Balgruf à Blanche Rive. Donc on va se taper toute la route à pattes de nuit. À poulet. Encore un autre mode que je n'ai pas installé mais que j'ai vu. Parce qu'il y a pas mal le mode troll. C'est les poulets explosifs. En fait, quand vous les attaquez, ils explosent, ils font l'effet d'une bombe. J'imagine que ça va être un truc du genre comme l'effet d'une boule de feu. Ça me semble pas mal, mais bon. Ah oui, cette route. J'ai un petit peu d'appréhension sur cette route en fait, parce que j'ai, dans une autre partie, j'ai rencontré pour la première fois les membres du Dalmor sans savoir qui ils étaient, sans savoir ce qu'ils avaient fait. Je les ai rencontrés pour la première fois ici en allant comme maintenant à Blancherie pour informer le Jarl. Donc ça m'a fait un petit peu bizarre parce que bon, je les croise, ils avaient un prisonnier et tout, ils commencent à dire oui, la religion, qu'est-ce que vous en pensez. J'ai mis j'étais sans avis. Évidemment, puisque je ne savais pas de quoi ils voulaient parler. Qu'est-ce qu'il fallait dire pour que ça fasse pas d'embrouille. Ok. Ah, je crois qu'il y a un loup qui est ennemi comme ça. Ouya, ninja. Ouh. Yep. Ah. Ah oui, c'est ninja. Oui, sauf que c'est la nuit. Salut, camarade. C'est un plaisir de voir une autre âme joyeuse profiter de cette belle journée. Oh, mais vous avez une mine épuisée. Allez, partagez une bouteille d'hydroning avec moi. Par la barbe d'Ismir, voilà qui est parlé. Une autre bouteille avec plaisir. Cette bonne action mérite une récompense. Tenez, acceptez ceci. Santé, camarade. Puisse vos aventures vous apporter gloire et fortune. Ah ouais, d'accord. Collier ensorcelé. Mon dieu. J'aimerais savoir ce qu'il fait, ce collier. Je peux vous aider? Ah, suspense. Ouh, oh là 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 là, je le mets de suite. Je peux porter 25 kilos en plus. Alors là... Genre maintenant ils font plus la fête du tout, c'est... On fait la gueule. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oui. Allez, courons, courons, je vais arriver à Blanche Rive avant qu'il fasse jour. Je ne vis que la nuit. Je suis un vampire déjà. Oh là là, il pleut. Oh là 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 là. Oh, c'est total, c'est la totale. Encore une fois, un mode que j'ai vu mais que je n'ai pas installé parce que je voulais pas non plus tout dénaturer. C'est un mode qui améliore Blanche Rive, qui met un peu plus d'arbres à l'intérieur, qui la rend un peu plus verdoyante. L'arc. Non. Eh oui, je fouine le géant. Bah attends, je viens d'arriver. Voilà une bonne chose de faite, mais ce n'est pas grâce à vous. Bah oui, mais bon... Qu'est-ce qu'un frère d'armes? Mais un guerrier digne de ce nom n'aurait pas laissé passer l'occasion d'affronter un géant. Ah non, eux, je vais pas les faire. C'est pour cette raison que je suis ici avec mes frères d'armes. Je vais me casser avant qu'elle finisse son discours. Vous n'êtes pas du coin, hein?
Vous n'avez jamais entendu parler des compagnons? C'est un ordre de guerriers, liés comme des frères et sœurs par leur honneur. Ah, des écuries. Alors, normalement, j'ai installé un mod ici, par contre, je suis pas sûr qu'il marche. Ça me ferait vraiment plaisir, parce que vu ce que c'est comme mod, je pense que ça vous ferait rire, un minimum. Et ça me ferait taper des grosses barres. Par contre, s'il ne marche pas, évidemment. Alors, si jamais vous voyez un argonien dans le coin, vous me le dites. Si jamais vous connaissez le mod, eh ben vous saurez de quoi je veux parler. J'espère que vous avez réussi à le faire marcher, parce que visiblement, moi, c'est pas le cas. Les Khajiits sont même pas là, mes copains ils sont pas ici. Ma famille n'est pas là. Tant pis. Par contre, je vais faire passer la pluie parce que j'ai pas envie de. Bon bah visiblement c'est pas passé, je vais voir ce qu'il y a bugué avec ce mod. À moins que le mec soit planqué quelque part. Je pense que c'est ici. Ah, t'as de la chance hein, parce que moi je cherche autre chose qu'un cheval. Alors non, il est pas là hein. J'ai les chevaux les plus rapides de tout bord de ciel. On verra ça ensemble plus tard. Mais en tout cas, c'était un mode vachement délirant. Et je pense qu'il va vous plaire. Je pense sérieusement qu'il va vous plaire. Moi en tout cas, il m'a plu dès que j'ai lu la description du site. Oh my god, mais il me le faut. Qu'est-ce que je fais là? Je fais de la merde, mais c'est pas croyable ça. Je me paume dans tous les coins et recoins et... Voilà. J'essaie de couper un petit peu à travers tout pour... Mais ah, j'arrive à me bloquer en plus, mais c'est pas croyable. Allez. Ah, elle troll toute sa famille, bon, pas mal. Donc c'est une. Vous avez besoin de quelque chose? Allez, à différence. Charge. J'ai pas envie de faire de conneries. Oui, oui, oui. Les brigands, ça ne me fait pas peur, mais ces histoires de dragons. Oh, attendez. Et plus familial d'Amren. Oui. Pourquoi il me note pas les. Ah oui, c'est ça aussi. Ok, donc c'est juste à la sortie de plan. Le monde est devenu fou. Je passe beaucoup de temps aux étals du marché pour apprendre le métier de marchande. J'ai besoin d'expérience si je veux avoir mon auberge. Une fois que je me serais fait assez d'argent avec les caravanes, avant que mes parents ne meurent, je leur avais dit que je deviendrais un jour la meilleure commerçante de bord de ciel. Ça m'arrangerait. J'ai rencontré Madran, un des chefs de caravane. Il a dit qu'il me lancerait dans les affaires si je lui apportais une défense de mammouth. Plus facile à dire qu'à faire. Allez, on va t'en chercher. Ça si vous en trouvez un, je pourrais vous apprendre une ou deux petites choses sur le commerce. Ça vous aiderait à faire de bonnes affaires à l'avenir. Merci. Très gentil, hein. Ce que tout le monde sait, ce sont des hommes chats d'Elsewhere. De grands guerriers et de bons commerçants. Le Khajiit qui demande des infos sur son propre peuple. D'après ce que j'ai entendu, n'a rien à voir avec Bord de Ciel. On y trouve des forêts tropicales et des terres infertiles. Ça a l'air horrible. Oui, ces Khajiits sillonnent les routes et vivent de la vente de leurs produits. Ça ne doit pas être facile. Déjà que la vie en bord de ciel n'est pas simple quand on a un toit au-dessus de la tête. Mais le pire, c'est que personne ne veut d'eux en ville. Ils n'inspirent pas confiance. En fait, oui. Ils ont été corrects avec moi, pour ce que j'en sais. Et une Nordique sait reconnaître un menteur quand elle en voit un. D'accord. Et moi, je suis sympa avec toi, non? Chercher une corne de mammouth, c'est quand même pas.
c'est quand même pas... C'est quand même pas donné, hein. Allez, allez, sprint. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Le travail est dur, mais la vie est belle. Oui ? Bellator. Lui, son nom est tout droit sorti du Seigneur des Anneaux. On sent le Bellator. Vutrad, la hache qu'Isgrimmer gravement en personne portée lorsqu'il menait les 500. Ouh, un cimetière de mammouth. Ah non, c'est un camp de géants, c'est vrai. Regardez-moi ce château, il est pas beau. C'est plus qu'une cabane, hein. Je me suis un peu foutu de leur gueule, mais bon. Et ouais, regardez-moi ce château, là, magnifique. Attendez deux secondes. C'est un feu de camp là-bas. Non. Si. Si, c'est ça. Et ouais, il y a même un chariot à côté. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Une entrée secrète. Ça n'a pas l'air. Ah. Ah là. Il est temps d'entrer un bon tapis, misérable Khajiit. Mais c'est pas possible ça, pourquoi ils m'insultent tous? Hé. J'en connais un qui a pris des sacrés sacrés dégâts. Ouh yeah. C'est parti. Tiens. T'avais qu'à pas te prendre ma flèche. Surtout de prendre les premières que j'ai balancées. Ah bah c'est joli ici. Regardez-moi ces flèches. Pour en fondre, ça on s'en fout. Ah mais il faut que t'arrêtes de forcer un peu. Héronyme, tu fais n'importe quoi. Et là, et boum. C'est n'importe quoi. Alors là, le mage en premier. Le mage. Ouh, ça sent mauvais. Déjà, on va utiliser ça. Oui, on va empoisonner la masse. Potion de soin. Vous croyez à la hauteur? Ah ouais? Vous allez faire quoi? Rendez-vous. Ah mais c'est un argonien. Oh là 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 là. Tiens. Ah c'est tendu mon dieu. Tiens, je vais voler ton arme, je la revendrai à la forgeronne. Toi. Toi aussi, tiens. Allez, punition. Punition collective. Hydromel. Oui.
Hydromel. Alors pourquoi je prends l'hydromel, l'hydroning, plutôt que le vin? Parce que c'est pour la vigueur. Oh, du scoop, hein. Oh, une bourse. Est-ce que ça pèse moins lourd, l'hydromel, et que ça rend quasiment autant de vigueur, je pense. Oh, un cheval, je le vole. D'ailleurs, ça devrait même pas être considéré comme du vol. C'est des putains de bandits. Ah, le combat à cheval, ils l'ont enfin mis. J'avais oublié ça. Le gilet taille. Qui change beaucoup de choses d'ailleurs. Ok. C'est... Mais c'est un bandit qui agit. C'est un assassin, d'accord. Ok, un assassin. Crochet, assassin. La confrérie noire, ok. Il y a des trucs qu'il faut m'expliquer. Hein. Livre. Comme convenu, vous devez éliminer les largalos par tous les moyens. Le sacrement noir a été tué, quelqu'un souhaite sa mort. Astrid. Ok, mais qui souhaite ma mort? J'ai assassiné personne. J'ai tué personne sans. Donc la confrérie noire, bah il commence bien. Bon, eh, ça va pas durer, hein. Oui, donc je compte me faire mes propres armures aussi, c'est pour ça que je ramasse les pots. Des armures en cuir assez légères. Discrétion. Pardon, mais on va se mettre en vue intérieure, comme ça me permettra de mieux viser. Ah non, reste à ta place, toi. Toi aussi. Une sentinelle là, que je pourrais buter avant. Allez, vas-y, reprends ta place là. Il faut couper, du bois. Ah ouais, il y a une sentinelle là. De nuit, il ne me voit absolument pas. Ça me fait penser à un truc. Je pense que tellement épique, j'ai absolument pas vu ce qui s'est passé. J'ai tué un mage et... Ouais, c'est ça. Je suis un mage. Oh!
On a toujours pas vu le finish que j'aimerais vous montrer. Alors arc de chasse, on s'en fout, j'en ai déjà un. Oula, je suis un petit peu paumé. Allez, une rouge garde. Tiens. Ouh. Donc normalement c'est là qu'on a notre fameux. Ok. Ok. Alors évitons les pièges à la con. Attention. Ça me permet de racheter la prime. De revenir en ville. Tiens. Par contre, il parlait tout seul. Sympa. Original. Sans doute rien. En fait, j'aimerais bien toucher le chef des bandits, hein, parce que là, hors de question qu'on le laisse. Ici. Ouh, là, ça fait mal. Non. Pas croyable ça. Où est ce zet ? Oh là là, je perds. Ah ! Ah ! Nourriture. Alors en même temps, c'est vrai que là je commence à... Bon, donc on va retourner au début de cette grotte. Hein. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que je suis complètement claqué, ça fait déjà un petit bout de temps, au moins 2-3 heures que je suis occupé de jouer. Donc c'est ici qu'on va arrêter cette session et puis on va la reprendre. Je vais en reprendre une, peut-être demain, peut-être dans 2-3 jours. Enfin, évidemment, vous aurez les épisodes un à un au fur et à mesure. Donc à la prochaine les amis, et on s'arrête là pour aujourd'hui.